Bon, ça en fait YouTube, je suis Suzuki, je suis content de vous retrouver pour un petit SP. J'ai un petit problème sur Stellar Blade. J'ai raté une combinaison dans la première partie du jeu. Et en fait, je sais pas comment on retourne à Eidos. C'est-à-dire, je peux me téléporter à la ville, mais je vois pas comment me retrouver à les anciennes. Peut-être là. Je sais pas comment retourner en fait. Je sais littéralement pas comment faire. Voilà. Donc, je me sens un peu floué, on va dire. Et en plus, ça va pas garder mes boucles d'oreilles. Ça va pas sauvegarder. C'est pas grave ça. Hey, monsieur. C'est un gros pervers quand même. Comment ça, frérot, Wen, je ne t'oublierai jamais. Salut. Oh, et toi? Comment ça, ennuyant? Oh, tu m'as entendu. Même désolé si je t'ai offensé, l'ange. Je ne cherchais pas d'excuses. Je voulais juste savoir pourquoi tu as dit ça. Quel est cet endroit? Voici ma boutique, le salon de coiffure de Gwen. Je suis Cassim, le coiffeur. Coiffeur? Je coiffe les cheveux pour que les gens se sentent mieux. Les tiens sont beaux, ils ont du potentiel. Mais ce potentiel a besoin d'être révélé. Là, ils sont ternes. Vraiment? Tu peux vraiment rendre ma coupe moins ennuyante? Bien sûr. Mais je n'ai pas les bons outils pour le moment. Ces soi-disant recycleurs les ont volés. Je ne peux pas faire tourner ma boutique sans mes outils. Mais ils les ont probablement juste jetés. Ces outils n'ont pas de valeur pour eux. Jetés? Où ça? Ce genre de choses finit généralement dans la décharge des terres désolées. D'accord. Je vais les chercher. En échange, tu me coifferas. Ça me convient. Il me manque. C'est gratos ou pas? Ciseaux, un sèche-cheveux et un lisseur. Compris. J'attendrai ici, l'ange. Ok, on ira chercher ça plus tard. Et à la base, t'es pas venu pour ça d'ailleurs. Attends, où je vais là? Je fais nappe, hein. C'est lui qu'il faut voir. L'ange, les sentinelles t'observent. Orcal t'a autorisé à entrer dans la ville. Mais ça veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux. J'ai l'impression qu'il y a un truc qu'il faut que je trouve dans le coin.
Mais qui es-tu? Oh, c'est toi l'ange, celle dont je n'arrête pas d'entendre parler. Désolé de ne pas t'avoir reconnu. Oh, tu n'as pas à être désolé. Oui. Tu t'en vas. Prends soin de toi, surtout. Ouais, en fait, il faut lui vendre des poissons, quoi. Bien sûr, prends soin de toi. Pour l'instant, tu n'as pas. Ah bah c'est là. C'est le chat noir de ma cliente. Ce n'est plus qu'une dépouille froide. Que faire? Bah il est mort hein. Un panneau d'information? Très bien. Alors. Ah oui, c'est tout, d'accord. Ok. Roxane. Bien sûr. Qu'est-ce qui amène? J'aimerais vraiment. Non, mais je veux pas, j'ai ces trucs à elle. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait, mais... Je vérifiais que j'avais bien pris celui-là, mais ouais. Il y a un truc là. Ça. Entrez la bonne réponse. C'est quoi cette histoire? 4? 8? Oh putain. 4? 2, ça fait 4, c'est ça? 9. Putain, je comprends rien. Ah, 27, c'est 3 fois 9. 4 fois 7, 28. Le foyer, c'est un... C'est un X, c'est un fois. Et du coup, le deuxième, 7 x 8. Trois fois 9, 27. 3 fois 5, 15. Qu'est-ce qui fait 42? 27 plus 15. Fait 42, c'est ça. Donc 5 fois 6, 30 peut-être. 30. 6 fois 7, 42. Alors, 5 fois 6, 30. 6 fois 7, 42, hein, c'est bien ça. 6, 12, 24. Oh, c'est 42 de tête, j'ai ça en tête. Ouais, ça doit être ça. Et 30 plus 42, ça fait un 2 et un 72.
trop facile. Oh putain, je me sens tellement, tellement bien. Ah, je suis tellement satisfaisant. C'est tellement satisfaisant. Et j'ai jamais lu la réponse, ça. Je l'ai fait vraiment tout seul de tête. Par contre, c'est chiant, ça. Ça, je t'assure, venir jusqu'ici pour compléter le truc à chaque fois, c'est nul. Là, j'ai qu'à prendre le téléphone, je sais même pas où il est. En vrai, les téléphones sont trop proches dans cette ville. Là, tu peux te téléporter pour te téléporter en haut, mais c'est littéralement à 5, tu vois, c'est tout près. Pourquoi j'irais là? En plus, avec l'animation, pas que ça allait perdre du temps, mais bon. Ça va pas, je vais même pas aller là. C'est un train? Oui, c'est vrai, c'est un train. Un genre de funiculaire. Bon. J'essaie de faire des reflets, mais les reflets ne fonctionnent pas. Même là, j'ai pas de reflets en fait. Le jeu il mérite du ray tracing. Excellent travail, Adam. Accorde-moi encore une faveur. Allons à l'hyperdrive. Injection d'énergie, réacteur secondaire. Activation initialisée. Waouh ! Ça a l'air plus lumineux. Oui. Ce que nous faisons est important. C'est vraiment beau. Franchement, le HDR, il rend bien dans ce jeu. Des petites pointes lumineuses avec les... petits points là, c'est... top. Ils sont passés où eux? Ils en battent les couilles. Ouais, le popping n'était pas ouf. Non, pas toi. Avec l'expansion du lien, l'état d'Orcal continue de se détériorer. Encore une fois, merci. C'est à votre tour. Attends. Il va te répondre. Il y a une station d'épuration et un cimetière ferroviaire dans le vieux centre. Je capte les fréquences d'un Aitiba Alpha en provenance de la Matrice 11. La Matrice 11 ? J'envoie les données cartographiques aux tétrapodes. Elles te guideront pour que tu atteignes le lieu où se trouve le Nightiba Alpha. Merci de nous aider. Ce n'est pas rien. Rien de tout cela n'est comparable à ce que vous avez fait pour Xion, je vous assure. Bonne chance.
Let's go. Parler Orcal. La ville semble différente. Je vois plus de monde, plus de panneaux. Je vous l'avais dit, ce qu'on a fait en valait largement la peine. Je pense que les gens ne devraient plus nous regarder de travers à présent. C'est rassurant. Pour être honnête, ça me stressait un peu. Je retourne vers le tétrapode. Peut-être devrais-tu prendre le temps d'apprécier ces changements. Ouais, c'est là. Le tétrapode n'est pas par là, si. Quel arnaqueur! LOL. Peut-être techniquement je prends une TP. Ah non, je suis trop têtu pour ça. Il a pas ses outils. Il y a quelqu'un qui... attends. Sur des escaliers. Là-bas au fond. Un ingénieur dans un tel endroit. Oh, la cellule corporelle est éteinte. Le mari de ma cliente. C'est pas le grand amour entre lui, Orcal et le berceau. Mes missions, elles sont nulles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mission ? Ça me paraît bizarre. Ah, c'est bien ça. C'est pas très loin. C'est pas que ça j'ai déjà utilisé. Par ici, l'ange. Suis-moi, sans aucun bruit. Mais... Que veux-tu? Que se passe-t-il? Je t'ai dit de te taire et de me suivre. Bizarre ce monsieur. Je
Tu m'as fait venir jusqu'ici. Mais pourquoi ? Hé, du calme. Je suis un messager. Prends ça. Hein ? C'est un terminal. Cet appareil est verrouillé par un mot de passe quantique. Que puis-je en faire ? Tu t'adresses à la mauvaise personne. On m'a demandé de te remettre secrètement ce terminal. Bonne chance alors. Hé ! Merci frérot. Bienvenue. La décharge des deux... Je ne voulais pas te... Oh non, ça... Ouais, il faut que je prenne ça. Je vais y aller. Ah, oui. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. Comment on fait pour notre niveau d'amitié avec ah, elle je suis content. Oh. Au sud-ouest de la plaine des déchets. Merci beaucoup pour ton aide. J'espère que je n'abuse pas trop. Non, il y a plein de trucs que je dois faire. On a tous besoin d'aide un jour. Ne t'inquiète pas. Est-ce que... Oui. Ah, merci, j'espère. Mais laisse-moi partir. Je crois que j'ai pas été au panneau. C'est à toi. L'ange ! Les pillards ont pris ma sœur ! Je t'en prie, sauve ma sœur ! Où sont les pillards ? Là ! Dans la ruelle ! Attends ici. Ils ont pas des trucs dans cette ville, c'est une dinguerie. Pourquoi ? L'ange, l'ange, l'ange ! Tout le monde est ravi de t'appeler l'ange parce que tu viens de la colonie. Ne sommes-nous pas des êtres humains ? Aussi ? Pourquoi devons-nous fouiller les déchets et nous cacher des nœuds qui va pour survivre ? Pourquoi ? Mais... je ne savais pas que... Eh bien... en fait, vous étiez tous de véritables anges. Il y a de nombreux trésors, mais rien d'aussi précieux que les matériaux dans vos corps. Avec un corps aussi sophistiqué, tu vois ce que je veux dire ? Eh bien oui, ça ferait du bien d'entendre un petit merci de temps en temps. Eve, est-ce que ça va ? Concentre-toi sur moi, tu vas y arriver ? Adam. Les trafiquants, je ne pensais pas qu'ils toucheraient aux membres d'un escadron aéroporté. C'est impossible. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les Naïtiba ne représentaient peut-être pas la seule menace, finalement. Nous devrions retourner au repère. Nous avons de la maintenance à faire. Ça parce que je vais refaire ma coupe de cheveux à la base.
t'es là. Regarde par ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, ceci est un détecteur de signal alpha. Il utilise la résonance subtile du noyau alpha pour trouver sa localisation. Ça ne marche pas à super longue distance, mais... tu le trouveras utile quand tu iras à l'emplacement dont Orcal t'a parlé. Waouh, bien joué! Tu vas finir par me voler mon travail. Je croyais que tu n'en avais déjà plus. Petite peste. Merci de m'aider toujours et encore. Attends, autre chose. Tu veux bien te retourner? Mais, cochonne! Là, fini. Tu as fini quoi, Lily? J'ai revu la distribution d'énergie de la cellule corporelle. Ton corps te semble plus léger? Ça me semble vraiment différent. Si t'essaies de sauter, tu devrais remarquer la différence. Ça a fait le double saut tout seul, c'est trop bien. On devrait apporter le détecteur de signal alpha au tétrapode avant de partir vers la matrice 11. Eve, on dirait que t'as pas encore récolté tous les objets. Bon. Je sais pas pour tout le reste, mais je pense que trouver la copie de carte heuristique sur Terre ne sera pas aisé. Bien, d'accord. Je me demande à quoi servent ces données. Ce sont des données d'intelligence artificielle qui ne sont pas passées par le machine learning. Elles peuvent être implantées chez quelqu'un souffrant de dégâts d'IA, juste comme notre patiente, et utilisées pour le redémarrage système. Nous allons devoir enquêter sur sa localisation. Compris. Je vais y penser. J'ai déjà parlé de ça. Bon, tu es prête à partir? La matrice 11 est un complexe souterrain. Le périmètre de recherche est vaste, donc prépare-toi bien. Ah, il y en a. Allez, dans une autre région. Ah, pour toi, Ido 7. Trop bien! C'est ce que je voulais savoir en début de vidéo! Parce que... Elle est vraiment là. Ah, c'est tranquille, baby. Le truc, c'est que, en fait, ça, il doit y avoir un avant-poste. Bah, c'est les portées en fait. Mais attends, pour de vrai, comment on fait? Je vais pas tout refaire.
y a un autre point de ravitaillement. Quelqu'un a oublié de le récupérer. Je suis sûr et certain qu'il y en a d'autres. Ça nous aidera à survivre. Alors, cherche bien. Je refuse de croire qu'il n'y a que ça là. Et où est la suite, monsieur? J'ai déjà été là. Par contre, je me souviens que là, il y a un endroit que je n'avais pas allé. Ok, j'y arrive toujours pas. Là, je veux vraiment pas me téléporter quoi. Je vais monter sur le parking. Il n'y a rien en fait sur le parking. Je crois même pas qu'on peut sauter là en fait. Ouais. En fait, je vais aller dans la deuxième partie du monde. Je sais plus comment on fait.
Hey. Bon, il y avait une espèce de... Mais... Ça va pas, monsieur ? De ça, tout ça pour une tenue. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le chantier de construction. Et là, c'est ça. En fait, voilà. Encore un fragment perdu de l'héritage de l'humanité. Ok, maintenant. Yolo. Et voilà ma tenue qui me manquait. Peut-être pas en fait. Comment ça, déplacement impossible? Là, cette fois-ci, c'est la tenue.
une fabrique de combinaisons réutilisables. Et tu meurs, tu vas en buter. Je crois que c'est là. Voilà. Oh, je suis déçu. Je voulais ma chemise à carreaux. Mais bon, je l'ai. Au moins, je l'ai. Bon, les amis, je vous laisse parce que vous avez bien compris que moi, à part passer mon temps à chercher des nouvelles tenues dans le jeu, c'est pas avec moi que vous allez voir le jeu avancer, quoi. D'ailleurs, on fait pour retourner au début. Quelle horreur quand je joue, je te jure. Bon les amis, sur ce, je vous laisse. Tu as tué les otaku. Oh putain que je suis bête. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otaku.fr. Ciao, bye bye.